Merci de nous rejoindre 20h, Madame, Monsieur. Bonsoir. À la une ce soir, le gouvernement Sama 2 fait une immersion dans la culture de l'excellence, un séminaire de 2 jours pour construire cohésion efficace et créer une dynamique de changement. Travaux ouverts aujourd'hui par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Scandale dans l'administration publique. 2 secrétaires généraux écopent d'une suspension. Il leur est reproché l'affectation frauduleuse de nouvelles unités. Selon Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, les 2 intéressés ont désespérément essayé d'antidater certaines de leurs forfaitures. Les détails à suivre dans cette édition d'information. Et puis, journée de lutte contre la malaria. En RDC, 28 millions de personnes sont atteintes. D'ici à 2030, les chercheurs tentent à mettre au point un vaccin pour sauver des vies. Entre-temps, des ordures constituent un foyer de développement des moustiques vecteurs de transmission de cette maladie. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les chrétiens kimbanguistes sont invités à prier pour le président de la République. Appel lancé par le chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani. Il est allé exprimer la gratitude de sa communauté au chef de l'État pour avoir créé la journée de la conscience africaine. Détail, Patrick Michel Moukoui. Des colonnes de fidèles kimbanguistes défilant dans les rues du pays un jour férié. Il en sera désormais ainsi chaque 6 avril. La journée dédiée au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, une promesse du chef de l'État aux fidèles kimbanguistes qui prend corps à la grande satisfaction des défenseurs de l'héritage du grand prophète africain. Après une première célébration réussie en 2023, le chef spirituel de l'église kimbanguiste est venu personnellement remercier le président de la République pour la concrétisation de sa promesse faite en 2021. Simon Kimbangu Kiangani sollicite le soutien et les prières de ses fidèles pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons avec le président Tshisekedi évoqué la réalisation de sa promesse pour la journée du 6 avril qui concrétise la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Cet événement est un motif de joie pour nous les kimbanguistes. Très attaché aux idéaux nationalistes et socialistes, le président Félix Antoine Tshisekedi tient à redonner au grand nom du pays leur place méritée dans la mémoire collective. Autre chose, une solution à la rareté des maïs au Katanga. Le président de la République instruit le gouvernement d'appuyer la production locale. Dans l'urgence, Jacques Kaboula rassure que des mécanismes sont mis en place pour répondre à la pénurie. On l'écoute après un échange avec le chef de l'État. Nous avons expliqué au président de la République ce qui se passe. C'est vrai que le Haut-Katanga, depuis un certain moment, s'est engagé dans un programme de production locale sur les 3 ans, 4 ans déjà de la culture. Nous sommes déjà à 59 000 hectares, déjà subventionnés par le gouvernement provincial, mais c'est amplement insuffisant pour arriver à couvrir les besoins réel, surtout que d'autres provinces viennent s'approvisionner au niveau de la province du Haut-Katanga. Et donc la consommation de toute la population a atteint un niveau assez considérable. Et pour ça, il faut appuyer une production locale. C'est que le chef de l'État a accepté effectivement aussi de donner l'instruction pour que la province et le gouvernement central s'impliquent pour arriver à assurer une production locale. Mais dans l'entretemps, comme il y a un problème de pénurie et que nous devons recourir à l'extérieur, aux pays voisins, et donc il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que nous puissions arriver à décanter la situation en attendant que notre production que nous avons subventionnée soit
notre récolte soit déjà effective. Depuis un certain temps, nous avons tous constaté que la paix a été totalement, la sécurité a été totalement dérangée et les gens à un certain moment n'arrivaient pas à bien passer nuit. Et nous avons pris des dispositions pour renforcer la sécurité ainsi que par les éléments de FARDC ainsi que de la garde républicaine qui évidemment aux côtés de la police qui assure depuis un certain moment la sécurité de la ville et nous avons constaté qu'il y a quand même des résultats qui commencent à se reproduire et pour ça nous allons encore travailler durement pour que les services soient totalement appuyés en termes de logistique et que la sécurité soit rassurée. Jean-Michel Samalou Kondé, tout son gouvernement sont en séminaire d'immersion à Kinshasa depuis ce mardi. Selon le chef du gouvernement, ces travaux s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence. Janine Kalinga, bienvenue Lusala Ida Tongu. Soucieux de mener à bon port la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les membres du gouvernement sont en séminaire de renforcement des capacités. Ouvert ce mardi 24 avril 2023 au Fleuve Congo Hôtel par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kingé, ces travaux seront ponctués de plusieurs exposés enrichissants. Occasion de partager les informations et d'échanger les expériences des uns et des autres pour ce gouvernement appelé à porter de réponses concrètes aux besoins de la population dans un contexte préélectoral avec en toile de fond un second mandat pour le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais avant tout renouveler mes remerciements et ma reconnaissance à son excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en ma personne, pour coordonner l'action gouvernementale, mais le remercier aussi au nom de tous les membres du gouvernement, pour non seulement sa confiance, mais son accompagnement si bien considéré. Ces assises, elles interviennent à un moment important pour le gouvernement, car elles s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités des membres de celui-ci, à travers les informations et les échanges fructueux. L'objectif poursuivi est la consolidation de la cohésion au sein du gouvernement, afin d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. C'est pour cette raison que le présent séminaire a pour thème principal construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Le mot d'ouverture du chef du gouvernement a été suivi des exposés, notamment celui du secrétaire général du gouvernement, qui a tourné autour de la cohésion, socle pour l'exécution du programme gouvernemental, les différentes agences d'exécution du programme de développement local des 145 territoires ont tour à tour présenté les niveaux d'exécution des travaux sur le terrain. Le gouvernement envisage le rapatriement de nos compatriotes de Kwamout réfugiés au Congo-Brazzaville. Christophe Muzungu, notre ambassadeur au Congo d'en face, est venu informer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, des conditions inhumaines dans lesquelles vivent ces réfugiés. Alain Bikaï. Prochain jour, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, se rendra à Brazzaville pour échanger avec son homologue de la République du Congo sur la question des rapatriements de nos compatriotes du territoire de Kwamout qui avaient fui les affrontements entre TK et AK. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en poste à Brazzaville, Christophe Muzungu, était venu faire part au patron de la territoriale congolaise, maître Peter Kazadi Kankonde, des conditions difficiles des Congolais réfugiés dans la localité de
Kengabé dans le département du Pool. À son tour, le gouverneur du Kasaï central, Kabe Ashika, était venu solliciter l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières dans la résolution des conflits coutumiers dans sa province. C'était une occasion pour le présenter d'une manière brève la situation sécuritaire de ma province. Je suis dans une province post-conflit avec la situation des communautés que vous connaissez très bien. Il y a encore des séquelles que, comme autorité provinciale, je devais d'abord maîtriser et les nouveaux VPM devaient être au courant de ce que je suis en train de faire en province du Kasaï central. Et lors de mon itinérance, j'avais vu certains problèmes qui demandent plus l'intervention du VPM de l'intérieur, comme la gestion du pouvoir coutumier. Il y a dans certains groupements, là, vous allez trouver 2 à 3 chefs de groupement. Alors tout ça, ça demande l'intervention de l'autorité de la territoriale nationale qui est le VPM. Il m'a rassuré, m'a pris l'accompagnement. Dans les jours à venir, lui-même sera à Kananga pour certaines questions d'ordre sécuritaire. Ensuite, le vice-premier ministre a reçu en audience les représentants de 6 confessions religieuses, pasteur Dodo Kamba. À l'occasion, Dodo Kamba a partagé les cahiers des charges de leur plateforme avec maître Peter Kazadi, lequel a été aussi présenté à d'autres autorités du pays. D'autres victimes des violences communautaires de Kwamut sont réfugiées à Ngabé. L'ambassadeur Christophe Muzungu est allé à leur rencontre. Il les a exhortés à respecter les règles du pays d'accueil avant leur rapatriement. Nicole Sesseplouka. Sur demande du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en poste à Brazzaville a de nouveau fait les déplacements pour Ngabé afin d'assister nos compatriotes victimes de violences communautaires perpétrées entre juin 2022 et mars 2023 dans les territoires de Kwamut, dans la province du Maïndombe, et qui ont trouvé refuge à l'autre rive du fleuve Congo. À son arrivée, maître Christophe Muzungu a été accueilli par le sous-préfet de cette juridiction qui l'a aussitôt conduit auprès de la reine Teke de Ngabé, comme le veut la tradition. L'ambassadeur maître Christophe Muzungu n'est pas allé main vide vers ses compatriotes qui ont tout laissé dans leur milieu d'origine. Il a fait un don des habits à ses mères de famille qui manquent de tout et vivent dans des conditions très difficiles. Occasion pour les diplomates congolais de sensibiliser ses frères et sœurs sur le respect aussi bien des lois que des autorités du pays d'accueil. Ceci avant d'exercer n'importe quelle activité, question de survivre. Dans les différents sites des déplacés de Kwamut, en Gabé, en République du Congo, l'ambassadeur Christophe Muzungu met en garde tout fausseur de troubles car la loi sera appliquée. Économie, nous sommes dans un pays qui affiche des chiffres de croissance bien appréciés par tout le monde. Affirmation du ministre des Finances, Nicolas Kazadi l'a dit devant la presse aux côtés de son collègue de la communication Patrick Mouyaya Katembwe. Beaucoup de choses ont été dites récemment, notamment ces mauvaises nouvelles qui ont été relayées disant que le budget devait être réduit de 16 à 3 milliards. J'espère que vous n'y avez pas cru et j'espère que de manière automatique, certains d'entre vous y ont répondu parce qu'il n'est pas le cas. Vous savez que nous avons fait le choix de la transparence et de manière régulière, nous avons le ministre des Finances qui vient à cet exercice pour vous dire. Et donc, s'il y a des difficultés, s'il faut retoucher le budget, nous serons le premier à vous dire. Nous voudrons que vous puissiez nous faire en liminaire les rapports de mission que vous avez effectués à Washington il y a quelques jours, comme fait au Conseil des ministres. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Sur le plan mondial, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a encore beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'évolution de l'économie mondiale. On nous informe que tous les indicateurs actuels laissent présager d'une baisse de la croissance économique l'année prochaine. On pensait qu'on serait à 3,4%, on pourrait descendre à 2,8% l'année prochaine, en moyenne au niveau mondial. Nous, RDC, nous prévoyons 8% pour l'année en cours, alors que au niveau mondial, on prévoit une inflation globale de 2,8%. En baisse parce que la prévision initiale était de 3,4%. En termes d'inflation également, on anticipe le maintien d'une inflation assez importante, de l'ordre de 5% dans les pays riches et de l'ordre de 13 à 15% dans les pays à faible revenu, ce qui nous concerne nous en tant que pays. Donc nous n'évoluons pas en marge de l'économie mondiale, nous sommes d'ailleurs un pays très exposé puisque nous vivons essentiellement des produits que nous exportons,
Et donc, ces évolutions mondiales, nous devons les suivre et nous devons voir comment nous nous positionnons pour réduire leur impact chez nous. Pour ce qui est de la situation de nos programmes avec ces institutions, vous savez que nous sommes en programme avec le FMI, en programme avec la Banque mondiale également. Nous sommes un pays aujourd'hui qui a des chiffres au niveau macroéconomique qui sont enviés par tout le monde. Le collègue a parlé tout à l'heure de la croissance économique, 8,6%. Il est possible que ça évolue encore vers 9%, 9,1%, parce que le travail est en cours. L'année venant de terminer, le travail continue toujours pendant les premiers mois de l'année suivante. Il se pourrait qu'on arrive à 9% d'inflation sur 2022, ce qui serait exceptionnel. Déjà à 8,6%, nous sommes la première croissance économique du continent. Un environnement non assaini est à la base de nombreux décès dus au paludisme. Les enfants et les femmes sont les plus exposés. Le salut viendrait peut-être du vaccin. Odilon Kayouma. Le paludisme est un véritable problème de santé publique aujourd'hui. Il est à la base de plusieurs décès dans le monde. L'Afrique n'est pas épargnée. 96% des décès sont enregistrés chaque année. Et c'est la suite aux piqûres des moustiques, agents transmetteurs de la maladie. Et les victimes sont entre autres les nourrissons, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnes vivant avec le VIH sont les plus susceptibles de développer la malaria. La République démocratique du Congo particulièrement fait partie des pays où se concentre le plus grand nombre de décès. Le paludisme est une maladie causée par la piqûre de moustiques du genre Anopheles. Et ces moustiques, une fois qu'elles vous piquent, elles vous transmettent la maladie. Elle va prendre de vos sang, sucer votre sang et vous transmettre la maladie. Notamment la fièvre, notamment le maux de tête. Selon le dernier programme ou le dernier résultat de PNLP sans rue à Kinshasa, nous sommes à environ 28 millions de cas de paludisme. Et comment éradiquer cette pathologie mortelle, à savoir le paludisme, l'assainissement de l'environnement immédiat, une des pistes de solution. L'État doit mettre, je ne sais pas par quelle politique, mais essayer d'assainir nos milieux le plus mieux possible, afin que nous n'ayons pas assez de moustiques. C'est-à-dire savoir où jeter nos ordures, c'est-à-dire comment ne pas jeter le déchet n'importe où, comment protéger nos lacs ou nos rivières qui sont proches de nous, qui va faire appel à des moustiques, et ces moustiques-là vont nous piquer, vont nous transmettre encore la maladie. En plus de cela, je peux dire encore, nous devons aussi nous habiller. Le vêtement doit être blanc et clair pour éviter le paludisme. Pour mettre fin au redoutable paludisme, l'espoir d'un nouveau vaccin, une initiative de l'Organisation mondiale de la santé, est-ce une réalité? Actuellement, il y a des études qui sont faites, notamment avec le programme de PNLP, un programme financé par des aides extérieures, où on cherche à éradiquer dans le but et jusqu'à atteindre avant 2030, nous arrivons à une incidence de 0 cas de paludisme. Et on cherche à faire un vaccin qui pourrait nous protéger, mais ça reste encore dans le mythe, c'est encore des recherches, nous n'avons pas encore de résultats palpés. En attendant bien sûr la mise au point du vaccin, la question de l'éradication du paludisme reste un défi majeur à relever à travers le monde. Justement, aujourd'hui, on célèbre la journée de lutte contre le paludisme. C'est l'une des causes de l'absentéisme scolaire chez les enfants de moins de 5 ans en RDC. Il est temps d'atteindre l'objectif zéro paludisme. À Kinshasa, une cérémonie a été organisée à l'hôpital de l'Amitié, sino-congolais Diane Balaka. Lutte contre le paludisme en Afrique, la pente est en train d'être inversée peu à peu. 1,6 milliard de cas de paludisme ont été évités entre 2000 et 2021 dans la région. Des chiffres livrés au cours de la célébration de la 6e journée mondiale de lutte contre le paludisme. À Kinshasa, l'hôpital sino-congolais de Ndjili a été choisi pour célébrer cette journée sous le thème « Il est temps d'atteindre l'objectif zéro paludisme, investir, innover, mettre en œuvre ». Le paludisme constitue l'une des premières causes de mortalité et morbidité, surtout chez les enfants de moins de 5 ans, aussi cause de l'absentéisme à l'école. Une façon pour le Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, de sensibiliser l'opinion sur cette maladie qui pourtant peut être évitée si on dort sur moustiquaires imprégnés d'insecticides ou on assainit le milieu.
Sans rue, ASBL, partenaire du ministère de la Santé, a organisé un dépistage au test diagnostic rapide. Célébrée chaque 25 avril de l'année, la journée mondiale de lutte contre le paludisme est commémorée avec l'appui du Fonds mondial à travers son rue. Une fois le test positif, le médicament à feuille verte est recommandé pour le traitement. Santé encore, on parle planification familiale. Plusieurs acteurs de ce secteur réfléchissent dans un atelier à Kisantu, c'est au Congo central. Ils vont procéder à l'évaluation de ce programme. Edith Chalakatala. Atelier d'auto-évaluation et de planification des activités du comité technique multisectoriel permanent pour le repositionnement de la planification familiale en RDC, CTMP en sigle, s'est ouvert à Kisantu en Mbuela Lodge dimanche 20 avril 2023. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, a ouvert les travaux en précisant les attentes du gouvernement. Le président de la République, qui a décidé de mettre en place la couverture santé universelle pour la protection de nos populations, a décidé que l'hypermortalité de la mère et de l'enfant, et nous venons de l'entendre, la courbe est plutôt croissante pour la mortalité de la maman qui met au monde, alors que les objectifs de développement durable nous demandent d'étendre vers une réduction significative. Je suis venu vous encourager à ce que, aussi bien au niveau de la coordination, c'est-à-dire du comité technique multisectoriel de planning familial, aussi bien au niveau du secrétariat technique, qu'au niveau même de la plénière, nous puissions nous poser de vraies questions. Est-ce que nous continuons juste comme nous le faisons ou est-ce que nous nous remettons vraiment en cause? La planification familiale est l'une des stratégies clés pour réduire significativement les décès maternels et infantiles, accroître l'autonomisation de la femme et contribuer à l'augmentation de la productivité, un des axes de la couverture santé universelle, vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je l'ai dit en titre, ouverture d'une action disciplinaire contre le secrétaire général à la décentralisation et celui de relations avec le Parlement. Des preuves documentées les accusent d'avoir affecté frauduleusement de nouvelles unités au mépris total de la loi. Ils ont été suspendus par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. On écoute Jean-Pierre Liaou qui revient sur les faits. Des éléments factuels en ma possession, portés par des preuves documentées, font état de l'affectation des personnes non revêtues de la qualité de fonctionnaire à des postes organiques par certains secrétaires généraux, ce au mépris total de la loi et des notes circulaires que nous avons pourtant transmises et rappelées avec insistance aux différents secrétaires généraux et autres chefs de service. Et ce, au moment où toute la nation aspire à voir s'ériger dans notre pays une administration publique digne de ce nom, avec un certain sérieux, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et conformément aux attributions qui sont les miennes, j'ai pris la décision d'ouvrir des actions disciplinaires à charge de hauts fonctionnaires qui se sont rendus coupable de cette forfaiture. Il s'agit notamment du secrétaire général à la décentralisation et celui aux relations avec les parlements. Ils sont immédiatement suspendus de leur fonction à dater de ce jour pour avoir affecté de nouvelles unités en violation totale de la loi et des règles régissant l'accès à l'emploi public, en ayant même essayer désespérément d'antidater certaines de leurs forfaitures pour échapper à la rigueur de la loi. Cette action disciplinaire, d'ores et déjà ouverte, leur sera notifiée dans le respect des procédures ainsi que des délais légaux et réglementaires. Ils auront donc l'occasion de fournir leurs moyens de défense et pourront, les cas échéants, être entendus par les conseils de discipline. Maïs, aliment de base dans l'espace Kasaï. Le gouverneur des deux provinces demande au gouvernement central un appui en semences et la mécanisation de l'agriculture. Marie Calong pour des précisions.
prix des denrées alimentaires, notamment le maïs dans l'espace Kassai, préoccupe au plus haut point les autorités politico-administratives. Soucieux du bien-être des administrés, les chefs de l'exécutif provincial du Kassai central et celui du Kassai oriental ont rencontré tour à tour le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabangu, à qui ils ont exposé les problèmes relatifs à la dotation des semences et des engrais. Selon le gouverneur du Kassai central, John Kabea, cette province compte à ses jours 275 hectares de maïs. Il sollicite pour ce faire l'accompagnement du gouvernement central afin d'améliorer la production locale et ne plus dépendre de l'extérieur. L'aliment de base pour ma province, c'est le maïs. Le gouvernement provincial a produit 275 hectares. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas être dépendant de la province du Kassai. Moi, ma mission majeure, c'est de voir dans quelle mesure que ma propre province peut produire des maïs sans trop dépendre à une autre province. Et pour Mathias Kabea Chikaya, l'enclavement de sa province handicape l'approvisionnement en semences et en engrais, d'où la construction et la réhabilitation des routes de desserte agricole, ainsi que celles qui relient le Kassai oriental à d'autres provinces. Je suis venu voir Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, en rapport avec les domaines de l'agriculture dans ma province, le Kassai oriental, pour nous soutenir dans cette saison C qui va commencer bientôt, mais surtout pour préparer la saison A qui arrive dans 3 mois. Nous avons un problème d'enclavement pour l'arrivée des produits, notamment les engrais. Mais nous avons également un problème avec la mécanisation. Le patron de l'agriculture, Maître José Mpanda Kabangu, a promis de soutenir l'agriculture dans cet espace et a indiqué qu'un programme du gouvernement a été arrêté au Conseil des ministres pour lutter contre la pénurie de maïs dans le pays. La SNEL veut renforcer le respect de procédures en termes de passation des marchés publics. Un séminaire, une session de formation a été lancée aujourd'hui et cette formation concerne beaucoup plus les cadres. Détail Edith Chalakatala. Un nouveau vent doit souffler à la Société nationale d'électricité SNEL SA. Trop de controverses sur les marchés publics attribués par SNEL. Le professeur docteur ingénieur Teddy Luamba Mouba, directeur général par intérim de SNEL, n'en veut plus. Il a fait recours à l'autorité de régulation des marchés publics RMP pour un renforcement de capacité des directeurs, chefs de département et quelques cadres de SNEL dans ce domaine. L'objectif est d'avoir une cellule de gestion des projets et des marchés publics pour répondre aux multiples défis. Ça a deux incidences, c'est que à partir d'aujourd'hui, nous aurons le fait que tous nos cadres et nous-mêmes serons renseignés sur toutes les bonnes pratiques en termes de passation des marchés. Et aussi, nous allons véhiculer le fait que les marchés publics permettent à ce que tous les Congolais aient accès de manière légale à la répartition de la richesse, qui reste aussi une vision du chef de l'État dans la création d'une classe moyenne. Donc, c'est prêtant à tous ces exercices, nous avons décidé aujourd'hui, sous la recommandation du Conseil d'administration, à pouvoir remettre en place cette activité. Cette formation est une aubaine pour cette Société nationale d'électricité, pas au mieux de sa forme, qui pour sa réponse aux multiples questions des abonnés devra conduire des projets de production, de transport et de distribution de façon très professionnelle. Ce nouveau leadership a bien pris l'engagement. Dépouillement des plis du bloc pétrolier Ngansi, c'est dans le bassin côtier. Perenco et Sonaïdroc, deux entreprises soumissionnaires, s'engagent à accompagner la RDC dans la valorisation de ses ressources en hydrocarbures. Explication Junior Yangumba. Après la clôture du dépôt des candidatures le 21 avril dernier, la commission organisatrice de cet appel d'offres a procédé au dépouillement des plis des sociétés ayant soumissionné au bloc Ngandi dans le bassin côtier, au nombre des entreprises soumissionnaires Perenco et Sonaïdroc SA. Dans les contenus du pli soumis par Perenco, qui d'ailleurs exploite déjà le pétrole à Moanda, toujours dans le bassin côtier, cette entreprise a fourni tous les documents exigés pour faire acte de candidature. Après les dépouillements, la commission a transmis les candidatures de ces deux sociétés à la sous-commission d'évaluation aussitôt après cette cérémonie, avant d'espérer dans un futur proche la publication de la liste des sociétés présélectionnées. La directrice générale adjointe de Perenco a souligné par ailleurs que Perenco tient à accompagner la République démocratique du Congo dans la valorisation de ses ressources en hydrocarbures. Si nous devons nous développer, ça veut dire que nous devons étendre notre activité, acquérir de nouvelles réserves. Et c'est entre autres la motivation qui nous a amenés à participer à ce processus. Pour sa part, le représentant de la Sonaïdroc SA,
parlent de leur motivation à postuler dans ce bloc. Nous connaissons tous les problèmes qu'a connu la Sonedroc avec les mutations et tout ça, mais maintenant, avec la vision managériale de l'équipe dirigeante, nous nous sentons capables maintenant d'opérer dans les blocs. Après le dépouillement du bloc Ngandi le 24 avril 2023, le programme annonce la clôture du dépôt des candidatures pour le bloc Yema 2 le 28 avril 2023 et son dépouillement le 2 mai prochain. Ensuite, le dernier bloc du bassin côtier, Matamba, Makandi 2, à son échéance des dépôts des candidatures fixées pour le 5 mai, tandis que son dépouillement interviendra le 8 mai 2023. L'OIF en mission exploratoire à Kinshasa, définir son champ d'intervention pour accompagner le processus électoral en cours, c'est l'un des objectifs de cette mission. Et puis Denis Kadima, président de la centrale électorale, a également échangé avec une mission européenne venue s'informer du déroulement des opérations électorales. Teti Samba. Sa mission en République démocratique du Congo se situe dans le droit fil de la visite qu'a effectuée le chef de l'État français Emmanuel Macron dans le cadre de la consolidation de la coopération existante entre la République démocratique du Congo et la République française. Quentin Tisser, sous-directeur pour l'Afrique centrale au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères françaises, a échangé avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, ce mardi 25 avril 2023. Les deux personnalités ont abordé la question liée au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Une série d'échanges avec le président Kadima sur l'état des préparatifs électoraux. On arrive dans la fin de la phase d'enrôlement. Et donc il m'a présenté la façon dont la CENI avait procédé à l'enrôlement, quelles étaient les prochaines étapes et comment la CENI se préparait sur le plan technique à conduire les élections. Dans un autre décor, le numéro 1 de la centrale électorale s'est entretenu avec une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie conduite par son représentant pour l'Afrique centrale, Alphonse Ouangena. Cette délégation a pris langue avec la plus haute hiérarchie de la CENI dans le cadre d'une mission exploratoire en République démocratique du Congo. Objectif, échanger avec les parties prenantes au processus électoral en vue de circonscrire son champ d'intervention dans le processus en cours. Le président de la CENI était accompagné au cours de ces échanges du rapporteur, Mme Patricia Moulela, et du secrétaire exécutif national, Toto Mabik Toto Kani. Et puis cette prise de position des agents de l'ARSP qui réfutent toutes les allégations mensongères qui ne les concernent pas du tout, distillées dans la presse et sur les réseaux sociaux contre la direction générale de cette entreprise tenue par Miguel Katamb. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous, agents et cadres de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, vous remercions pour la nomination des nouveaux mandataires au sein de notre établissement public, nomination qui vient concrétiser votre vision chère, à savoir celle de promouvoir une nouvelle classe moyenne véritablement congolaise. Mais avant toute chose, nous voulons exprimer notre profonde indignation de voir certaines personnes parler et agir avec mauvaise foi, tendant à saboter les actions de l'actuel management, sans mandat ni qualité, au nom des agents de l'ARSP que nous sommes, alors que depuis l'avènement du dit management, nous avons constaté une grande amélioration dans le travail avec des résultats positifs. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous prions à votre haute autorité de ne prêter aucune attention aux propos mensongers et diffamatoire
contenues dans des tracts qui circulent à travers les réseaux sociaux et qui sont l'œuvre d'un groupe d'individus animés d'un esprit malveillant qui prétend parler et agir sans mandat ni qualité au nom des agents de la respect que nous sommes. Politique, une mission de sensibilisation sur l'appropriation du processus électoral. L'UDPS était sur le terrain. La mission était menée dans le district de Moamba par Alex Kalenda, l'un des cadres du parti présidentiel, Alain Bikaï. Il est sur tous les fronts pour défendre son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les jeunes leaders du parti, cher à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Alex Kalenda poursuit sa tournée de mobilisation dans le district de Moamba. Le week-end passé, il était devant les membres de la structure qui porte son nom pour échanger avec eux sur les enjeux politiques de l'ère. Dans son mot, ce cadre du parti présidentiel a invité les amis d'Alex Kalenda du quartier Kingabwa dans la commune de Limété à se mettre en ordre de bataille pour les échéances électorales de cette année. Poursuivant Alex Kalenda, alias Protection Divine, et revenu sur les réalisations de Félix Antoine Tshisekedi en faveur de son peuple, malgré la guerre d'agression rwandaise nous imposée par les ennemis de la paix. La dernière déclaration du président rwandais Paul Kagame n'a pas laissé indifférent ces jeunes intellectuels congolais. Pour lui, c'est la République démocratique du Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda. Nous devons être nous-mêmes en tant qu'acteurs politique sur terrain pour mobiliser la base. J'ai motivé cette base à être vigilante, à pouvoir veiller sur notre pays, prier pour les chefs de l'État, afin de ramener la paix au pays. Sur ce, le lieutenant politique de Félix Antoine Tshisekedi a mobilisé les habitants de Moamba à soutenir le développement enclenché par Félix Antoine Tshisekedi en lui accordant une majorité écrasante. Concernant la rencontre de l'Union sacrée de ce samedi 29 avril au sein des martyrs, Alex Kalenda a appelé l'assistance à venir nombreuse pour soutenir le parti et son secrétaire général, Augustin Kabuya. Pour terminer, Justin Bitakwira rejoint le camp de l'Union sacrée. Le président de l'Alliance pour la République et la conscience nationale a officialisé sa position. De proue de la classe politique congolaise, le ministre honoraire Justin Bitakwira vient d'officialiser son adhésion à l'Union sacrée de la nation pour accompagner la vision du président Félix Tshisekedi Tshilombo qui est celle de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Son combat politique porté par l'Union sacrée de la nation. Un proverbe dit qu'on ne peut pas aimer les plumes du corbeau et détester sa viande. Donc qui soutient le président de la République doit également soutenir l'Union sacrée. Nous avons suffisamment travaillé pour le pays, de sorte que un de mes combats vient d'être voté à l'Assemblée nationale, les réservistes. Je suis un partenaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui soutient le président de la République, doit également soutenir l'Union sacrée. Nous avons suffisamment travaillé pour le pays, et ici il faut dire merci au président de la République, merci au gouvernement pour nous avoir compris et pour nous avoir entendu. Cela fait partie aujourd'hui de ma décision de venir ratifier la charte de l'Union sacrée, mais je suis toujours aux côtés du président de la République. Ça fait bientôt 29 mois, jour pour jour. La signature apposée, les cadres et membres de l'Alliance pour la République et la conscience nationale ont salué cette adhésion au sein de l'Union sacrée de la nation. Et puis ces dernières images, l'ambassadeur de France et celui de l'Union européenne ont eu une séance de travail à la présidence de la République autour du rétablissement de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Reportage de René Lobo. Discuter avec le chef de l'État et son haut représentant sur les voies et moyens pour l'Union européenne d'appuyer l'expertise congolaise dans le processus de Nairobi et de Luanda, c'est l'essentiel des échanges entre l'ambassadeur de l'Union européenne, Alain-Marc Châtaignier, et le haut représentant du chef de l'État, le professeur Serge Tshibangu Kabeya, dans son cabinet de travail au Mongaliema ce mardi 25 avril 2023. Pour les diplomates de l'Union européenne, il s'agit également d'accompagner les FRDC et d'autres forces armées dans leurs actions et missions de rétablissement de paix. Alors l'opportunité, c'était de pouvoir échanger avec M. Serge Tshibangu sur les processus en cours d'appui au rétablissement de la paix et de la sécurité dans l'est de la RDC.
J'étais là avec notamment Manuel pour voir comment nous pouvons appuyer très concrètement les processus qui sont en cours, le processus de Nairobi, le processus de Luanda, pour que la situation revienne à la normale dans l'Est. Et donc nous avons discuté assez longuement avec le haut représentant du chef de l'État sur les voies et moyens d'accompagnement de l'Union européenne, parce que notre position, c'est vraiment d'appuyer la RDC dans le rétablissement de sa souveraineté, mais aussi d'accompagner les différents volets du processus de Nairobi et de Luanda dans la démobilisation, le désarmement, le cantonnement des groupes armés, en particulier évidemment le M23 qui doit rendre ses armes. Et donc nous sommes en train de discuter aussi les moyens d'accompagner l'armée congolaise et peut-être d'autres forces armées dans leur action de rétablissement de la paix. Juste après, le haut représentant du chef de l'État a eu une séance de travail avec Bruno Aubert, ambassadeur de France en République démocratique du Congo, porté surtout sur les processus diplomatiques régionaux consacrés à la recherche d'une solution à la crise à l'est du pays. Et vous pouvez être assuré que nous sommes là, nous sommes aux côtés de la RDC, ainsi que le président de la République, Emmanuel Macron, l'avait manifesté il y a 5 ou 6 semaines de cela, ainsi que j'ai l'occasion de le dire moi-même, plus modestement, publiquement, ici à Kinshasa. Nous sommes actifs, nous sommes en soutien des processus en cours, et nous essayons toujours, à chaque nouvelle évolution, à chaque nouvelle inflexion de la situation, à apporter une plus-value. Et nous avons toujours une écoute très favorable à la présidence, en particulier de la part de M. Tshibangu. L'appui et l'accompagnement de l'Union européenne au processus en cours pour le rétablissement de paix et sécuriser la partie est de la République démocratique du Congo figure parmi les points au menu des échanges entre le haut représentant du chef de l'État et le diplomate de l'Union européenne. Puisque vous nous êtes fidèles, vous devez savoir ceci. Suite aux travaux d'entretien des émetteurs au niveau du centre d'émission de Binza Pigeon, à partir de minuit, le signal de la RTNC sera interrompu. Suite à ce désagrément, justement, la Direction générale de la télévision publique présente ses excuses et le signal sera rétabli une fois que les travaux seront achevés. Fin de ce journal, madame, monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez l'actualité à 23h à la présentation. José Baïtombo, je reviens demain à 20h. Bonne soirée.